du cargo. Sachez que j'en suis le capitaine et que je peux vous faire mettre au fer. Merci. Je sors d'en prendre. J'ai déjà passé suffisamment de temps dans vos cales, remplies d'opium. De l'opium? Il y a de l'opium dans les cales? Dans mes cales, à moi? Retourner sur la Lune? Certainement pas moi, professeur. La place d'un honnête marin est ici-bas, sur la Terre. C'est là qu'on est le mieux, sur cette bonne vieille Terre. C'était une erreur? Non, pas une erreur. Un ami qui nous veut du bien, il me conseille de vendre au plus vite la toison d'or. Pour quelle raison? Il paraît que si nous ne vendons pas ce bateau, il pourrait nous arriver de graves ennuis. Mais c'est une menace! Une menace! Je le vendrai si je veux, ce bateau! Il est à moi! Non! Oh! Hé! Hey, professeur! Professeur! Et pourquoi pas? Les belles sandalouses, la Montsalia, et puis le flamenco! Hé, hey, professeur, attendez-moi! Ça n'effraie pas un vieux loup de mer comme moi. 1 000 milliards de sabords! Quel éclair! Il a fracassé le verre que je tenais en main. C'est étrange, je n'ai pas vu d'éclair. Quelque chose a pourtant brisé ce verre. En tout cas, ça a fichu son contenu en l'air. Tintin! Le miroir se fendit. Tonnerre de Brest! Je ne suis quand même pas affreux à ce point. Ils ne sont pas méchants, seigneur capitaine. N'aie pas peur. Peur? Moi? Il suffit de les regarder dans le blanc des yeux, ces espèces d'imitations de chameaux. Et aïe! Brut! Quand le lama il est fâché, seigneur. Oui, lui, toujours faire ça, je sais. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Voyons. Panne diverse. Gouvernail. Gouvernail. Bon. De toute façon, il n'y a rien à faire. Maudit cargo, je sachez que j'en suis le capitaine et que je peux vous faire mettre au fer, maudit cargo. Merci, je sors d'en prendre. J'ai déjà passé beaucoup trop de temps dans vos cales pleines d'opium. De l'opium? Dans mes cales? Vous l'ignorez? Mais qu'est-ce que vous croyez? Je suis un honnête homme. Tu croyais pouvoir te glisser derrière moi et me surprendre le pantalon baissé, hein? Je préférais que vous ne baissiez pas votre pantalon si ça ne vous dérange pas. Je connais ton petit jeu, t'es l'un des leurs. Ils t'ont envoyé ici pour me tuer, hein? C'est pas qui vous êtes. C'est comme ça qu'ils comptent me supprimer. Assassiné dans mon lit par un assassin à la gueule de gamin. Assassin? Mais vous vous trompez complètement. J'ai été kidnappé par une bande de voyous. Comment est votre soif d'aventure, capitaine? Insatiable, Tintin.